Jérôme, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Bonjour, oui, alors je me présente, Jérôme Coulombier. Je suis éleveur de chevaux de sport, hein, forcément. Donc j'ai un élevage d'une vingtaine de poulinières et je valorise essentiellement les chevaux de mon élevage. J'aime bien garder une jument pour faire des épreuves un peu plus belles. Ça me permet de rester un peu plus dans le coup pour faire les épreuves jeunes chevaux. Ça paraît moins gros après. Justement, est-ce qu'il est possible de nous parler de cette jument de tête? Alors, ma jument de tête, là, actuellement, elle s'appelle Chippy Charbonnière. C'est une jument qui a 11 ans maintenant. En fait, c'est un peu une jument de famille, puisqu'elle est née à 2 km de chez moi, chez le beau-père de mon frère. Donc, on en a acquis la moitié quand elle avait 3 ans. Et voilà, donc je l'ai débourré et puis j'ai fait tout le cycle classique jeunes chevaux avec. Voilà, la jument a toujours bien été, elle était triple sans faute à la finale des 5 ans, elle était qualifiée à 6 ans, elle était qualifiée à 7 ans, et puis moi j'ai eu des problèmes de dos, donc du coup j'ai pas pu faire la finale. Et puis voilà, à 7 ans elle gagnait 135, à 8 ans elle gagnait 140, et puis voilà, maintenant elle est performante en 145-150. Et donc cette année, c'est une première pour vous d'être en écurie Grand National. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette écurie et pourquoi s'être lancée sur le circuit ? Tout à fait, oui, c'est une première. Bah, écoutez, c'est la première fois en même temps que j'ai un cheval pour pouvoir faire ce niveau d'épreuve. Donc la jument l'an dernier était performante, j'ai fait en 3 étoiles et quelques 4 étoiles. Et voilà, je me suis dit que c'était sympa de me lancer sur le circuit Grand National. Donc j'ai trouvé une coéquipière par un ami commun en fait. Et puis voilà, on s'est lancé comme ça. Donc c'est l'écurie élevage de la Vesquerie Flexon. Est-ce qu'il est possible de nous parler de cette coéquipière? Eh bien, à vrai dire, je ne la connais pas beaucoup. Hein. L'idée, c'était de trouver un coéquipier ou coéquipière qui ne soit pas forcément de la même région. Et comme ça, moi, je ne me déplace pas beaucoup. Hein. J'ai une ferme aussi, je serai des vaches. Donc, c'est un peu difficile pour moi de me déplacer au loin. Et le fait de trouver un coéquipier ou coéquipière d'une autre région, bah, ça permettait que l'écurie elle soit représentée sur plus d'événements. Programme de la saison, vous le connaissez un peu? Eh bien, le programme, c'était au vert. C'est un concours auquel je participe les autres années. C'est Montfort sur Meux aussi, qui fait Grand National cette année. C'est Notre-Dame d'Estrée, et puis Saint-Lô. Et voilà, les concours du Grand Ouest, essentiellement. Est-ce qu'il y a une participation au championnat de France qui est envisagée dans un mois? Ma coéquipière a prévu faire les championnats de France. Donc voilà. Et demain, le Grand Prix? Demain, le Grand Prix. Alors voilà, aujourd'hui j'ai fait 2 petites fautes, j'ai pas forcément trop bien monté. Mais oui, je vais faire le premier Grand Prix Grand National demain. Voilà, j'avais fait mon premier Grand Prix 1m50 à Auvers il y a un an. Et voilà, la jument est bien, elle est bien en forme. Après, il ne faut pas que je me trompe, quoi, voilà. Mais voilà, on est confiant. Et ben, merci beaucoup. Merci.